Salut tout le monde, c'est Mara. Comment est-ce que vous allez? Moi ça va vraiment plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Skyrim. Mais je vais pas vous mentir, cette vidéo détente sur Skyrim, vous l'avez certainement vu dans le titre. Elle annonce un petit peu le retour de SimCity sur ma chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut pendant qu'on va aller faire... Prenez la tête d'une sorcière de Glenmoril, éliminez sorcière. Voilà, on y va, hop. Donc on va aller faire ce petit donjon pendant que je vais vous en parler. Voilà, donc c'est du live, toujours du live sur ma chaîne. Allez, on est parti. Donc le retour de SimCity, donc je vais parler un petit peu de tout. Donc on va pas se mentir, avant que je commence SimCity, j'avais 70 abonnés. Aujourd'hui j'en ai 215, je vais vous donner la date bien sûr, je n'oublie jamais pour le repère temporel. Le 1 mai 2013, donc c'est le jour férié, joyeux jour férié, c'est sûrement déjà passé pour vous. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Enfin oui, c'est forcément passé pour vous parce que je l'uploaderai pas ce soir. Et il est 18h19. Bref. Oh, un bébé renard, je crois. Oh, il est trop mignon. Meurs. Oh, le pauvre. Non, bah lui, je vais laisser en vie. Ça va faire comme Bambi qui perd sa mère. Je vais peut-être parler de SimCity un petit peu. Donc, ouais, j'avais 700 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 215. Puis ça monte encore grâce à SimCity. Parce que faut dire que je suis dans les premiers résultats Google et YouTube. Quand on tape débutant SimCity ou des trucs comme ça. Ou même tutoriel SimCity. Donc, je suis dans les premiers résultats. Donc, ça, c'est cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour SimCity. Donc, il va se passer quelque chose. Désolé pour le petit ralentissement. Il va se passer quelque chose qui va arriver sur ma chaîne vraiment prochainement. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une région de 16. De 16 villes. Donc, SimCity 5. Hein, bien sûr, ça se passera sur SimCity. Donc, une région de 16 habitants. Et dans cette région, enfin de 16 villes justement, c'est ça le truc. Et ces 16 villes, elles seront toutes habitées par moi. Donc ne demandez pas à la rejoindre, ne me dites pas s'il te plaît je veux te rejoindre et tout. Non, personne pourra rejoindre cette région. Il y a déjà une région qui s'appelle la région des abonnés, sur laquelle il y a 2-3 personnes. D'ailleurs faut que je me reconnecte à SimCity parce qu'il y a plein de monde qui me demandait d'inviter. Je suis désolé si je vous réponds pas, mais SimCity j'avais plus le goût d'y jouer, mais là j'ai envie d'y jouer encore une fois. Donc voilà. Enfin j'ai envie d'y rejouer. On est parti pour une aventure SimCity, donc il y aura 16 villes, les 16 seront habitées par moi. Le principe ce sera plus ou moins une ville, un épisode. Même si je sais très bien qu'une ville ne sera pas complète en un épisode, ce sera des longs épisodes je pense. Et quand je dis long, c'est vraiment long, c'est pas genre 20 minutes. Hein. Ce sera peut-être des trucs d'une heure ou des trucs comme ça. Où je ferai une ville. Et dans chaque ville en fait, donc pour la première vous voulez me le dire tout de suite. Et pour les autres ça sera dans les autres épisodes. Donc la série qui s'appelle un épisode, une ville, hein. C'est pas très original mais bon c'est comme ça. Vous allez me donner une contrainte. Une contrainte, donc ça va être par exemple, je sais pas comment, par exemple, imaginons vous me dites pour ta deuxième ville, au lieu de commencer avec 20 000, au lieu de commencer avec 50 000, tu commences avec 10 000. Voilà, par exemple, ça sera une contrainte à réaliser. Ça peut être un exemple, ou par exemple, dans cette ville, tu n'auras pas le droit de mettre des pompiers et je serai obligé de revenir aux autres villes pour créer des pompiers s'il n'y en a pas en envoyé, etc. Sachant que j'aurai le droit de retoucher aux autres villes bien sûr, mais que chaque épisode sera, enfin il y aura un épisode qui sera décerné à une ville hein, précisément pour la construction, donc je la construis et puis il est possible, c'est vrai, il y a de récurrent de Carjo, et c'est possible que l'épisode d'après ben je ne fasse pas une ville hein, bien sûr c'est possible que dans l'épisode d'après je sais pas je m'occupe des deux autres villes que je les améliore, voilà. Donc c'est ça le principe. Je vais essayer de me concentrer quand même. C'est peut-être un petit peu bancal comme principe. Le fait une ville à un épisode, le titre est pas forcément, je le sais, hyper adapté. Mais j'ai trouvé le principe vraiment pas mal. Surtout que bah voilà, vous êtes là pour du SimCity, la plupart d'entre vous. Et je vais vous en produire, ne vous inquiétez pas. Donc hop, j'ai fait ma petite mission. On va retourner voir Kodlak. Kodlak, c'est une marque d'appareil photo, non? Non, Kodak, c'est pas grave. Et puis voilà, donc une ville à un épisode, donc chaque ville, chaque épisode je crée une ville. Vous avez décidé d'une limite dans les commentaires, voilà, c'est ça qu'on va faire. Dans les commentaires, vous allez me dire, par exemple, pardon je vais éloigner mon micro, ça doit être assez fort pour vous, voilà ça va être mieux là. Vous allez me dire par exemple, la limite de ville, ça sera à 30 000 habitants, voilà par exemple.
30 000 habitants. Et à partir du moment où tu as 30 000 habitants, on considère que ta ville est faite. Voilà. Et bon, je vous mettrai même pas un, je ferai même pas des commentaires. Je mettrai un sondage Pixel. Vous savez, c'est des trucs pour faire des sondages en ligne. Donc je mettrai un sondage 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Voilà. On verra bien selon ce que vous dessinez. Moi, je pense que 30 000 c'est plutôt pas mal. Et puis si personne répond, je ferai 30 000 pour une ville. Donc 30 000 sera la limite à partir de laquelle on considère que la ville est faite, qu'on peut terminer l'épisode et passer à la au prochain épisode. Donc le prochain épisode qui sera soit attribué à la création d'une autre ville, soit attribué à l'amélioration des autres en vue d'une préparation d'une autre ville. Voilà. Parce que 30 000 c'est pas énorme non plus, hein. Il y a bien des villes à 600 000. Enfin on verra bien, je verrai bien au feeling, vous me connaissez, je suis pas style de personne à toujours préparer à 28 minutes 35, on va faire exactement ça, voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire un petit peu. Vous avez le programme pour SimCity, je l'ai annoncé sur Facebook. Il y a des gens qui ont liké, ça fait plaisir. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter d'ailleurs. J'ai annoncé sur Facebook, j'ai dit grand retour de SimCity coming soon, j'en ai pas dit plus. Et puis voilà quoi. Donc on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Donc le rythme des SimCity va beaucoup augmenter. D'ailleurs, je vais vous lâcher une petite anecdote qui va sûrement vous faire un petit peu rigoler. C'est que j'ai un ami. Oh, il y a un monsieur qui est mort là. J'irai voir tout à l'heure en off parce que j'ai pas envie de m'en rentrer dans un dialogue qui va vous spoiler. J'ai un ami qui s'appelle Floaz, que vous connaissez certainement. Enfin, oui, peut-être, on s'en fout. Hein. En tout cas, il s'appelle Florian Floaz. Et cet ami, eh ben, le délire, c'est que ce mec, il joue beaucoup à Call of, tout ça. Il joue énormément à Call of, enfin, pratiquement que à Call of en fait. Et un jour, j'ai fait la première vidéo de SimCity parce que, bon, voilà. Et moi, je pensais pas que ça allait lui perdre. Moi je me dis SimCity, bon c'est quand même un jeu où faut réfléchir. C'est un jeu de city builder, donc il y a un tout petit peu de gestion, tout ça. Et ça m'a fait très très rire quand il m'a dit, tu sais moi ce jeu je l'adore, tu devrais en faire plus. Enfin de la part de quelqu'un qui joue uniquement à Call of, ça m'a vraiment plu et c'était ça ma petite anecdote, voilà. Donc si le concept vous plaît, mettez un petit pouce vert ou mettez un commentaire, donc moi ça revient au même, hein. De toute façon vous pouvez mettre les deux même si vous voulez vraiment me faire plaisir. Voilà, donc on est bon, hein. Et puis voilà. Et puis on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos, certainement pour le projet. Ciao tout le monde, c'était Mara. Et surtout n'oubliez pas, continuez à jouer. Bisous. Le petit bonhomme en... Mais c'est quoi cette chanson de merde? DJ, mets de la vraie musique. Mais Joel, je suis DJ Bledal. J'y mets de la bonne musique, t'inquiète pas ma gueule.